pourquoi ne pas un jour avoir l'honnêteté de nous dire que la plupart des jeunes qui ont commis des exactions depuis 4-5 jours sont issus d'immigration? C'est une réalité, c'est factuel. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Donc j'aimerais savoir quand même si, un jour, afin que nous puissions y travailler, nous allons pouvoir connaître quels sont ces enfants issus d'immigration, pour lesquels probablement des choses ont été ratées, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français, puisqu'ils ont une haine de la France que moi, élue, malheureusement, depuis quelques années, je n'ai jamais ressentie comme je le ressens aujourd'hui. Pourquoi ne pas un jour avoir l'honnêteté de nous dire que la plupart des jeunes qui ont commis des exactions depuis 4-5 jours sont issus d'immigration? C'est une réalité, c'est factuel, et être dans le déni ne nous permet pas d'avancer. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Je ne veux pas ici dire... Je pense qu'une explication... identitaire serait se tromper. Et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé auparavant, parce que si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac. Ça veut dire que reprocher aujourd'hui, imaginer, légiférer immédiatement sur une question migratoire, me paraît déjà trop tard, madame la sénatrice, si jamais c'était votre solution. En revanche, la question de l'intégration et de la réussite de l'assimilation est une question intéressante. Et je crois que la poser simplement en termes identitaires serait une réponse trop facile. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se poser sur les questions.